Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire une review de figurines que j'ai à la maison, que j'ai depuis quelques temps même, et je vais vous en faire profiter un petit peu pour les découvrir, car certaines sont quand même pas très très connues. Donc on va commencer par cette résine de Son Goku que j'ai acheté en janvier 2009, donc là ça fait quand même plus de 12 ans que je l'ai. Donc effectivement les figurines, même PVC actuelles, elles sont bien mieux finies si vous voulez, mais ça reste une figurine de cœur parce que personnellement, comme les autres résines que je vais vous montrer dans cette série là, ce sont des figurines que j'ai achetées avec mon premier salaire où je me remettais un petit peu dans la collection. Du coup cette figurine là, je l'avais achetée il me semble 145 €. Ouais, c'est quand même assez précis, j'ai retrouvé quand même certaines informations. Donc 145 €, et c'était sur un site à l'époque, ça s'appelait Animacha. Donc je sais pas si vous avez connu, depuis il est fermé depuis quelques temps, donc je ne sais pas plus que ça. Du coup, je vais vous montrer la figurine d'un peu plus près. Donc déjà, on voit, elle est fixée sur son socle, mais ce sont les effets qui changent comme ça. Et on voit, il y a eu de la casse, hein. J'ai eu quelques déménagements. Donc, par exemple, là, on voit les effets qu'il y a eu. Hop, donc là, je me mets là. Là, vous voyez, là ça, c'est une casse de transport ou de nettoyage de ma femme. Bah oui, parce que quand ma femme fait des poussières, des fois, il y a de la casse. Donc voilà, donc les effets sont plutôt bien faits à l'époque. Il y avait des tiges, pour les faire tenir. Maintenant, on aurait certainement des aimants pour que ça tienne beaucoup plus facilement. Ce qui fait qu'en fait, que quand on le met, je sais pas si vous allez voir, là, quand on le met ici, ça tient bof. Là, on garde un petit résidu d'une casse. Je sais même plus où est-ce qu'il se met. J'ai essayé de le retrouver, mais voilà. Donc ça, c'est l'autre effet aussi que j'ai. Et donc, même style. Qui se met également à cet endroit-là, hop, pile poil. Donc là, hop, je vous montre, ça se met à cet endroit-là. Et donc là, voilà ce que ça donne. Du coup, là, on peut voir quand même que, en termes de résine, là, hop, je la rapproche, là, hop là, je les enlève. On va pas les casser plus que ça quand même. Donc là, on peut voir que la terre est super bien faite, mine de rien. Le logo, il est dégueulasse, hein, ça, on est d'accord. Le dessous, il est comme ça, donc... on voit ici les encoches avec les trous, mais franchement, en termes de couleur de terre, c'est plutôt pas mal. Ensuite, pour le Goku, on a les bottes, elles sont super bien faites. Moi, j'aime beaucoup. Simpliste, hein, comme on dit maintenant, on aurait quelque chose de bien meilleure qualité. Ça reste des choses qui étaient vraiment très sympas pour l'époque. Moi, je les garde parce que, mine de rien, j'y suis attaché. On peut voir aussi qu'il y avait déjà des nuances de couleurs qui étaient faites. Donc ça, c'était plutôt sympa. Il y a du sang. Alors, on voit moins les égratignures. On voit que c'est de la peinture qui est simplement posée assez rapidement. Donc, il y a quand même du sang. La couleur de peau, elle a mal vieilli. Hein. Clairement, là, il a pris un ton gris en termes de peau. Ça, c'est vraiment le point un petit peu dommage de cette figurine-là. Donc, ça, il a pris la grille. Mais ça n'empêche pas que je la trouve quand même très sympathique. Donc là, on garde toujours, bien sûr, les vêtements déchirés, il y a du sang. Ici, là, il y a du sang aussi, là, également. Le dos, il est vraiment bien fait. Pareil, là, on a l'impression que c'est du stylo qui a été fait, mais non, c'est comme ça. Donc, ça reste sympa. Allez, hop, je bouge un petit peu la caméra, voilà. Et hop, on va regarder maintenant de plus près le visage. Le visage que je trouve quand même plutôt sympathique, hein, pour l'époque. C'est plutôt bien fait, le nez est sympathique, les peintures sont plutôt bien faites. Là, l'aspect rougeâtre autour, c'est plutôt sympa. Là, on sent que voilà, c'est gratiné, il y a du sang. La peau est grise, ça vieillit mal. Et en termes de cheveux, c'est plutôt pas mal. Bon, voilà, on est d'accord que là, on a une petite bavousse de peinture rouge. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour pas la remarquer depuis le temps que je l'ai. Mais voilà, donc la petite figurine est là, donc on a la petite jointure ici tout de même. Et donc voilà ce que cela donne. Donc c'est une vieille résine, comme je vous l'ai déjà dit, qui date de 2009.
mais qui reste tout de même sympa. Les prix des résines à l'époque étaient plutôt étaient quand même assez abordables, hein, mine de rien. On pouvait avoir des figurines en résine pour le prix de PVC maintenant. Alors certes, les PVC maintenant sont bien mieux finis, mais tout de même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo review vous aura plu. Je vais vous en faire d'autres également. N'hésitez pas à me donner en commentaire votre avis sur la figurine. Hein, effectivement, est-ce que vous avez aussi des figurines qui datent d'il y a à peu près 12 ans déjà? Et savoir comment, qu'est-ce qu'elles ont vieilli. Est-ce que vous avez déjà vu cette figurine-là aussi? Je trouverais ça intéressant de le voir parce que personnellement, je ne l'ai pas revue autre part. Donc, qu'est-ce que vous avez revu cette figurine-là? Qu'est-ce que vous pensez du format? Et le petit pouce bleu, c'est bien pour l'algo. Le petit partage aussi, c'est sympa. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, Twitter, Instagram et Facebook. Vous allez forcément voir dedans des figurines que je vous ai déjà postées sur les réseaux. Mais le petit format review, ça permet de partager des figurines que j'avais déjà et que je ne vous ai pas partagées en vidéo. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye bye! Cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. Enfin, vous pouvez me soutenir sur Utip. Merci à vous.